Bonjour Cyril. Cyril, vous êtes entrepreneur, créateur de l'incubateur de projets blockchain The Garage et d'un fonds d'investissement en crypto-actifs qui se nomme StarChain Capital. Exactement. Alors, première question, qu'est-ce qu'un fonds d'investissement en crypto-actifs ? C'est un petit peu comme un fonds d'investissement venture capital classique, sauf qu'on investit sur une verticale, effectivement métier, qui est celle qui sont les sociétés ou les protocoles liés à la blockchain, donc qui utilisent cette technologie pour créer différents services, produits, protocoles, mais toujours sur les blockchains. Et quelle est la particularité de ces crypto-actifs ? Quel est le nouveau concept que vous introduisez en utilisant des crypto-actifs plutôt que des actifs traditionnels ? La première grosse différence, elle est amenée par Bitcoin en 2008-2009, il y a maintenant 12 ans. Bitcoin permet le transfert de valeur sur Internet. C'est vraiment ça que ça permet. Avant Bitcoin, depuis 95 sur Internet, quand on envoie un fichier par email, par Messenger, que ce soit un PDF, de la musique, de la vidéo, on copie toujours ce fichier. Et donc, il était impossible jusqu'à 2009 sur Internet d'envoyer de la valeur A à Monsieur B et qu'elle soit ensuite directement soustraite de l'envoyeur. Et donc, on ne pouvait pas envoyer de l'argent, à part via un intermédiaire, PayPal, une banque ou un service financier en ligne. Et aujourd'hui, ce qu'on peut faire avec Bitcoin et du coup toutes ces crypto-monnaies, c'est transférer de la valeur d'un point A à un point B en s'assurant qu'elle n'est plus au point A quand elle arrive au point B. Et donc, dès lors, on ne crée pas ce qu'on appelle à l'époque le double spending problem, problème scientifique qui a été résolu par Bitcoin, et on peut donc créer de la rareté, scarcity, sur Internet. C'est ça que Bitcoin, à la base, c'est la grosse innovation de Bitcoin. Et ensuite, tous les crypto-actifs sont différents usages de cette technologie qui permet de créer, de transférer de la valeur. Et donc, ces crypto-actifs, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples d'entreprises qui, à la fois, se financent grâce à ces crypto-actifs et dans lesquelles vous avez investi en crypto-actifs ? Ouais, alors sur StarChain Capital, qui est un fonds d'investissement que j'ai créé aux États-Unis il y a 4 ans dans la vallée, investi dans un peu plus de 25 projets, le plus gros étant Coinbase. Coinbase, c'est une boîte centralisée, hein, c'est une Inc. basée aux États-Unis au Delaware, qui a plusieurs milliers d'employés, qui vaut maintenant près de 50 milliards et qui va rentrer en IPO là dans les prochains mois. On est rentré évidemment un peu plus tôt que ces valos-là. Et Coinbase, c'était une place de marché d'achat et de vente de crypto-monnaies. C'est un peu le go-to quand on a envie d'acheter du Bitcoin, où vous soyez dans le monde. C'est pas le seul. C'est aujourd'hui le plus gros, ou un des deux plus gros, et c'est le leader américain aujourd'hui. Donc Coinbase, c'est une des sociétés, il y en a beaucoup d'autres, hein, une boîte française comme Kaiko, par exemple. Kaiko, c'est une boîte de data qui va pouvoir effectivement fournir tout type de data à des grosses entreprises ou des gros gouvernements ou des grosses sociétés qui ont besoin de data sur le marché crypto. C'est un peu le Bloomberg de la crypto, par exemple. Pareil, Kaiko, c'est pas un protocole, c'est une SAS française basée à Paris, avec des data scientists qui vont absorber la data et en faire effectivement des rendus pour les entreprises, pour leur expliquer un peu comment fonctionne ce marché tous les jours. Donc, des projets comme ça, des projets plus protocole, MakerDAO, évidemment, Polkadot, évidemment, donc c'est plus des protocoles, ce qu'on appelle Layer One, un peu technique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, un protocole Layer One ? Alors, avant de parler de protocole Layer One, une simple analogie rapide. Il y a deux types de crypto-monnaies. D'ailleurs, le mot crypto-monnaie est assez galvaudé. Il n'a pas vraiment de sens. C'est les crypto-monnaies comme Bitcoin et quelques-unes qui représentent à peu près 2 à 3% de toutes les crypto-monnaies aujourd'hui sont vraiment des monnaies. Elles ont pour but principal de transférer de la valeur de A à B. Toutes les autres, ce ne sont pas des monnaies. Il faut imaginer que Ethereum, par exemple, qui est appelé crypto-monnaie, n'est pas du tout une monnaie. Ethereum, c'est un réseau complètement décentralisé. On va pouvoir, moi non, mais les développeurs, par exemple, créer des applications un peu comme un App Store ou un Android Store, par exemple, et créer des applications qui, elles, vont être décentralisées. Donc, c'est exactement comme créer une application sur Apple, sauf que là, ça s'appelle une Decentralized App, une DApp ou une DApp, et elle va être décentralisée. Alors, pourquoi la décentraliser ? Ben, pour avoir plein de fonctionnalités en plus qui n'existent pas sur le web d'aujourd'hui. Ça veut dire censorship resistant, donc on ne peut pas l'arrêter, même en Chine ou dans des pays aujourd'hui, il y a des problèmes de censorship resistant. Ça veut dire qu'elle est immuable, donc on ne peut pas tricher, c'est sur une blockchain, c'est sécurisé, elle n'est pas hackable parce qu'elle est décentralisée sur des millions d'ordinateurs, donc personne ne peut l'hacker. Et donc, ces propriétés sont de plus en plus intéressantes dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui. On voit bien que Cambridge Analytica, les hacks quotidiens depuis des années, montrent que l'Internet qu'on a aujourd'hui n'est plus vraiment sûr, mais il est de plus en plus controversé. Donc, un Internet décentralisé serait un peu le futur de l'Internet. C'est ce qui est en train de se passer depuis 3-4 ans. Ce qu'on appelle le Web 3. Et ce Web 3 est basé sur des blockchains et sur des protocoles Layer 1, dont Ethereum, dont Polkadot, dont Friton, dont Tezos et beaucoup d'autres. Donc, il y a plein d'initiatives, un petit peu comme on crée en 95, j'ai envie de dire, SMTP, HTTP, TCP/IP, donc les protocoles Internet, hein, le protocole d'email, d'échange de contenu sur Internet. Là, on recrée des protocoles, mais décentralisés. Et donc, ces protocoles, ils ont
des tokens ou des jetons qui sont leur currency. Donc, pour utiliser Ether et pour utiliser, par exemple, AWS ou OVH, on va payer des crédits. Ben là, pour utiliser le réseau Ether, on paye en Ether. Donc, c'est le jeton de ce réseau qui est appelé monnaie, mais c'est pas vraiment une monnaie. On peut l'utiliser. Ça existe depuis des années. Ce sont l'équivalent des miles, par exemple, pour les compagnies aériennes. Exactement. Ça va être des tokens, des points, des jetons de participation au réseau. Exactement. Et sauf que ces miles, ces tokens ouais. peuvent aussi donner lieu à de la spéculation. Évidemment, c'est un petit peu comme imaginez qu'on puisse en 95 ou en 97 acheter du Amazon, vous et moi, Michel, comme petit particulier, petit porteur. Bah, si tout le monde croit à Amazon et qu'on sait qu'on va effectivement utiliser ce produit de plus en plus, si c'est accessible à tous avant l'IPO, bah, on en aurait acheté. Et donc, le prix aurait effectivement monté. Donc, effectivement, toute nouvelle bulle technologique, comme en 2000 et en 2001 sur la tech globale, que vous connaissez bien Michel, toutes ces bulles amènent de la spéculation. Cette bulle crypto, beaucoup plus. Pourquoi ? Parce qu'elle est accessible à chacun. Mon petit frère, qui a 25 ans, il peut, s'il veut, aller acheter et spéculer sur une monnaie, sans savoir malheureusement quel est le sous-jacent technique, mais c'est un petit peu un jeu de roulette russe qui ah ben voit depuis quelques d'ailleurs, années. D'ailleurs, c'est tout le problème, parce qu'aujourd'hui, les crypto-monnaies ont très mauvaise presse. On parle beaucoup de spéculation excessive, de casino même, de risque démesuré, de décorrélation entre la réalité de la valeur d'une monnaie ou d'un asset avec le cours qu'elle a. Qu'est-ce que vous répondez à ces accusations quand vous avez des investisseurs qui mettent de l'argent dans votre fonds d'investissement ? Bien sûr, bah, effectivement, sur les 7 à 8 000 projets décentralisés qu'on pourrait appeler crypto-monnaie aujourd'hui, 95% sont des essais, 5% seront les gagnants de demain, les gros winners et ce qu'on appelle les trillion dollars protocoles de demain. Ethereum est en passe d'être effectivement un des grands gagnants, il y en a d'autres. Notre but, nous, c'est de les financer au plus tôt, c'est de repérer les équipes, c'est de faire des due diligence techniques et technologiques, voir si elles sont effectivement robustes, solides, sécurisées. On audite le code, on passe beaucoup de temps sur GitHub. Donc, c'est vraiment une course à la technologie et les gagnants sont ceux qui ont réussi à, on va dire, upgrader ces systèmes pour les rendre de plus en plus scalables, pour des grandes bases d'utilisateurs, par exemple, et de plus en plus sécurisés. Donc, c'est vraiment une course à l'innovation. Oui, comme ces assets sont accessibles à tous, il y a une spéculation. Mon métier et notre métier sur Starchain Capital, c'est effectivement d'investir avant ces spéculations et de choisir les winners avec du long terme. Donc, sur 5000 protocoles ou 7000 protocoles, on a fait 25 investissements. Donc, on les choisit vraiment un par un. Donc, mettons un peu de côté cette folie spéculative. D'ailleurs, on a vu il n'y a pas longtemps, je crois que c'était avant-hier, Tesla qui a investi 1,5 milliard en ouais. Bitcoin et qui a fait évoluer le cours du Bitcoin de presque 20%, je crois. Bon, mettons de côté cette dimension spéculative et regardons plus précisément ce que permettent de faire ces crypto-monnaies et quel concept de la finance de demain elles permettraient de dessiner. Et en l'occurrence, une finance qu'on pourrait qualifier de décentralisée. Comment est-ce que ça marche, cette finance décentralisée? Elle est basée sur quoi? On parle beaucoup de smart contract. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne cette finance décentralisée? Bien sûr. Juste en amont, pour répondre rapidement à la question sur Tesla, qui est un vrai sujet d'actualité, Tesla, c'est la 10e boîte du Nasdaq qui achète des bitcoins sur sa propre balance sheet, avec le réserve de cash de la société. La première était MicroStrategy, Square de Jack Dorsey a aussi suivi le pas en octobre dernier. Et là, Tesla y arrive, étant une des boîtes les plus visibles au monde. Évidemment, ça met un coup de pied dans la fourmilière. Et tous les incrédules du bitcoin se disent « Ok, si même Tesla, après Square y va, il y a un intérêt à penser au bitcoin comme une réserve de valeur ». Et donc, pourquoi le prix fluctue? Parce que 21 millions de bitcoins d'unités existent, elles ne seront jamais dépassées, il n'y aura jamais 21,1 millions. Et donc, on a une supply qui est finie. Avec le Covid en ce moment, on voit bien la façon dont les États, et c'est normal, hein, impriment de l'argent, plusieurs trilliards de stimulus checks depuis maintenant 8 mois. Et donc, ça fait peur à la finance mondiale en se disant, si on imprime de l'argent pour effectivement aider les gens, ce qui est bien, bah, on dévalue le dollar et donc on montre aux gens, si vous voulez, que le dollar n'est pas un asset backé et vérifié qu'on peut le créer constamment, le dollar ou l'euro ou l'yen. Attendez, ça veut dire, je vous interromps parce que ça veut dire que par la dimension finie de la masse monétaire du Bitcoin, le Bitcoin est plus crédible et plus rassurant pour certains investisseurs que des monnaies traditionnelles comme le dollar ou l'euro, bien sûr, qui, elles, n'ont pas une masse monétaire finie puisqu'on voit les banques centrales imprimer de la monnaie particulièrement en temps de crise. C'est ce que vous êtes en train de dire.
Exactement. 50% des dollars en circulation dans le monde aujourd'hui ont été créés dans les 18-24 mois, dans les derniers 24 mois. Donc, on voit bien qu'effectivement, il y a du coup une inflation folle. Avec un euro, il y a 5 ans, vous pouviez acheter un objet. Aujourd'hui, votre euro, il ne vaut 90 centimes d'euros techniquement. Donc, on empiète un peu sur le pouvoir d'achat des gens, aussi en les aidant, parce qu'il faut de l'inflation dans une économie stable, c'est normal. Mais Bitcoin répond à ce problème en disant, nous, il n'y aura jamais d'inflation. On est un protocole mathématique. Et les mathématiques, ça ne ment pas. 2 plus 2, ça fera toujours 4. Même si on essaie de piller dans la caisse, même si on essaie de menacer quelque chose, ça ne marchera pas. Donc, les mathématiques, la cryptographie et la blockchain assurent cette immutabilité, cette vraie sécurité au sens propre du terme. Le code ne bougera pas, ne peut pas bouger. Personne ne peut y toucher. Il n'appartient à personne. Il est juste là pour servir les gens qui veulent l'utiliser. Et on voit que depuis 10 ans, il y a de plus en plus de gens qui utilisent Bitcoin, quelques centaines, puis milliers. Maintenant, c'est quelques dizaines de millions de wallets Bitcoin. On voit que PayPal a accepté Bitcoin à ses 230 millions de clients il y a maintenant quelques mois. C'est des grosses annonces, comme ça le Tesla, qui avance un peu sur le sujet et qui montre que Bitcoin va de toute évidence. Et ce que je vais dire là, j'en doutais il y a quelques années, parce que j'étais dans le milieu, mais j'étais aussi encore pas forcément convaincu. Aujourd'hui, il n'est plus possible de stopper Bitcoin. Aujourd'hui, d'un point de vue technologique ou légal, il n'est plus possible de stopper Bitcoin. Et c'est une évidence que Bitcoin va continuer à croître. Il n'y en a que 21 millions, on est 6 milliards sur Terre. À un moment donné, l'offre et la demande va continuer d'exploser, ce qui est en train d'arriver en ce moment. Et Bitcoin va évidemment continuer à monter en prix et en utilisation au quotidien dans les prochaines années. Voilà, juste pour Bitcoin et Tesla. Je rebondis sur la DeFi maintenant, donc la Decentralized Finance. La Decentralized Finance, c'est un nouveau secteur dans les crypto-monnaies qui a émergé il y a environ un an et demi. Et qui est en train de l'idée de dire, OK, ces blockchains sont super, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec elles? Et on se dit qu'effectivement, le système financier, et donc déplacer de l'argent, faire du prêt, du yield, tout ça, c'est faisable sur une blockchain. Et donc, la DeFi, c'est tout plein de protocoles, encore une fois, assez bas niveau, qui ont pour objectif de recréer la finance d'aujourd'hui. Donc, on recrée Wall Street, on recrée les produits financiers, on recrée les taux d'intérêt, les prêts de particuliers à particuliers, mais tout ça de façon transparente, décentralisée, inhackable, et sans les quelques personnes dans les banques qui ont fait des bêtises depuis quelques dizaines d'années. Donc, c'est vraiment intéressant. Il faut savoir qu'en DeFi, en Decentralized Finance, il y a 2 ans, il y avait $1 milliard de valorisation qui était capté sur ces contrats, donc ces smart contracts qui étaient captés en termes de valeur. Il y a un an, c'était 6 milliards. Aujourd'hui, c'est plus de 40 milliards qui est globalisé dans des smart contracts et qui, en gros, c'est vous, Michel, qui allez dire « je pose un Bitcoin, on me rend des dollars ». Je collatéralise mon Bitcoin comme à la banque. Je fais un prêt bancaire, si vous voulez, mais sans banque, en 10 minutes, sans avoir besoin de papier, juste avec le fait que vous ayez un Bitcoin. C'est votre clé privée, elle vous appartient. Vous envoyez le Bitcoin, on vous rend de l'argent, vous l'utilisez pour vivre. Et quand votre Bitcoin monte, vous remboursez votre crédit. Par exemple, c'est un des usages. Mais il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Donc, toute la complexité de Wall Street est en train d'être recréée sur des protocoles blockchain. Et c'est ça ce qu'on appelle la DeFi, D-E-F-I, Decentralized Finance. Et comment fonctionne un smart contract? Parce que je pense que c'est aussi important de préciser ce fonctionnement pour comprendre à quoi pourrait ressembler la finance de demain et les services basés sur ces crypto-monnaies demain. Ouais. Alors un smart contract, donc en français contrat intelligent, c'est assez simple. C'est vraiment un contrat, imaginez un contrat papier qui nous lie, Michel, vous et moi. Un smart contract, il ne sera pas papier, il sera juste sur l'ordinateur avec du code dedans. Et si vous, Michel, remplissez l'action dans le contrat qui définit un trigger, par exemple le paiement de ma facture ou je ne sais quoi, et bien en fait, tout est automatisé. Donc, dès lors où la partie A ou B du contrat a rempli ou pas les tenants et aboutissants du contrat, il se passe quelque chose dans la vraie vie directement. L'exemple le plus simple, vous prenez un avion sur un Paris-New York, l'avion est en retard. Aujourd'hui, vous allez au guichet Air France, vous demandez des miles, ça vous prend 2 heures et c'est un petit peu compliqué, on va dire, pour réclamer son paiement de son remboursement de retard. Demain, avec un smart contract, vous arrivez à New York, le smart contract est branché avec le tour opérateur. On sait que l'avion Paris-New York a 2 heures de retard. À la seconde où vous descendez de l'avion, vous êtes déjà remboursé automatiquement. Vient un contrat intelligent qui dit, OK, l'avion était en retard, Monsieur Paglino a souscrit à une assurance, vous êtes remboursé. Pareil pour l'assurance, sur plein de sinistres, on imagine un fermier dont le champ de pommes de terre va peut-être brûler parce que l'été il fait très chaud. Il faudrait un expert aujourd'hui, il faudrait qu'un expert de chez AXA ou une assurance vienne, regarde le sinistre et quelques mois après rembourse. Et le pauvre fermier, pour l'instant là, il est un peu embêté. Là, effectivement, il y a Internet connecté. On sait avec Météo France que la température dans le Périgord à ce moment précis était de 38 degrés. On sait que les pommes de terre, elles brûlent à 38 degrés. Le lendemain, vous êtes remboursé directement via un smart contract. Voilà, c'est ce type d'automatisation-là. Et elle est milliers du scale, évidemment. Et ce type d'automatisation, demain, pourrait être implémenté aussi au sein d'objets intelligents. On pourrait imaginer demain que les machines, les objets puissent échanger de la valeur automatiquement. Exactement. C'est tout un pan de l'économie qui se crée
grâce à ces smart contracts et à ces crypto-monnaies. Est-ce que vous avez des exemples? Bien sûr. L'idée la plus simple, je pense, pour comprendre ce nouveau paradigme, c'est de se dire que tous les objets connectés aujourd'hui, votre frigo, votre Tesla ou je ne sais quoi, d'autres sûrement dans le futur, vont avoir la capacité d'avoir un wallet intégré et donc de facturer de l'argent et de transmettre de la valeur. Et donc, dès lors, ce ne sera plus les interactions qui vont être entre Michel et Cyril, deux humains, ou Michel et une banque, mais ça va être un objet versus un autre objet, un humain versus un objet, etc. Donc, on crée une colonne vertébrale financière de transfert de valeur et de règlement de paiement entre tous les objets connectés parce qu'ils ont tous un wallet intégré, sécurisé. Et donc, votre réfrigérateur pourra directement payer Amazon ou Carrefour en recevant ses courses le lendemain. Je schématise un exemple un peu cliché, évidemment. Mais c'est ça l'idée. On permet à des objets de pouvoir facturer et transférer de la valeur. Et du coup, ça marche 24 heures sur 24, il y a un système comptable qui est automatisé. On n'a pas besoin d'attendre le lendemain à 8 heures que la facture passe par le comptable, le service comptable. Là, c'est H24. Donc, c'est vraiment la colonne vertébrale financière du monde connecté de demain. En ajoutant à cela le scénario d'un monde où des robots de trading finalement font fructifier une rente en crypto-monnaie automatiquement, demain, mon réfrigérateur, ma voiture pourrait être plus riche que moi. Il pourrait gagner de l'argent, après il vous appartient, donc c'est votre argent évidemment. Mais si demain, de l'argent que vous avez sur un compte aujourd'hui qui est à 1% à la banque ou sur un code à vie, vous l'avez en crypto-monnaie, vous l'envoyez dans un smart contract sécurisé, un mois, deux mois, un an. Quand vous en avez besoin, c'est le vôtre, vous le récupérez. Mais tant que vous ne l'utilisez pas, il va être prêté à d'autres gens dans le monde qui en auront besoin et qui pourront vous payer de l'intérêt pour ça. Donc, ça développe aussi le peer-to-peer lending, donc le prêt de particulier à particulier. Encore une fois, sans besoin d'avoir une banque, il faut rappeler que 40% des humains sur Terre n'ont pas accès au système financier, n'ont pas de banque. On parle de l'Asie du Sud, de l'Afrique, de l'Amérique du Sud. Ces gens-là ne sont pas bancarisés, ils vivent avec du cash ou des téléphones mobiles aujourd'hui. Donc, ces gens-là vont faire une espèce de grand pas en avant dans le monde de la finance de demain et pouvoir enfin être part au système. Il faut savoir que le crédit est la première source d'éloignement de la pauvreté. Aujourd'hui, le crédit permet de faire un crédit sur sa ferme, de mettre ses enfants à l'école, de soigner ses pâturages, etc., etc. Donc, il y a vraiment une notion de crédit. Et aujourd'hui, ces 40% de gens dans le monde n'ont pas accès au crédit, donc ne peuvent pas se développer financièrement et prospérer pour leur famille. Donc, c'est aussi un sujet intéressant de ce point de vue-là. Ça intègre de la finance pour tout le monde. Alors bon, énormément de questions évidemment que posent ces scénarios-là. Je pense que Guy-Philippe Goldstein a une question pour Cyril. Merci Michel. Bonjour Guy-Philippe. Bonjour. Donc une question, deux petites questions en fait, j'en profite, hein, rapide. Un, sur le coût énergétique, en particulier en termes d'usage d'électricité qui peut être démentiel sur les Bitcoin. Pour m'être exprimé rapidement à Vivatech sur le sujet, il y a de ça 2 ans, on avait calculé que 7 et 8 millions de Bitcoin wallet, c'était l'équivalent de la production d'électricité de la Suisse en tant que telle. Mais qu'est-ce qui se passe si effectivement il y a 100 millions d'utilisateurs qui finissent par utiliser ces Bitcoin wallets ou d'autres? Quelles sont les évolutions là-dessus? Et deuxième question, sur la réglementation, si on passe à un environnement où il y a beaucoup plus de petits porteurs sur un actif qui est essentiellement spéculatif, ça a été dit aujourd'hui, quelles sont les évolutions de la réglementation aux États-Unis, en Europe, qu'on voit sur les protections nécessaires des petits porteurs? Très bien. Merci beaucoup pour votre question, vos deux questions. C'est des questions qui reviennent souvent, évidemment, sur la partie de la consommation énergétique. Alors oui, effectivement, le réseau Bitcoin, qui fonctionne en proof of work, donc POW, consomme effectivement l'énergie parce que pour résoudre chacun des problèmes posés par les blocs de la chaîne Bitcoin, il faut effectivement apporter de l'énergie à la puissance de calcul. Donc oui, votre GPU et CPU va travailler et va effectivement créer de la demande énergétique. Si on compare, juste deux petites secondes, Bitcoin au réseau financier mondial, ou ne serait-ce que français, avec ses milliers de boutiques, ses convoyeurs, ses employés, on est à une empreinte carbone, mais dérisoire par rapport au système financier actuel. Ça, c'est déjà juste le premier sujet. C'est effectivement intéressant de le rappeler, mais on est vraiment à des années-lumière de ce que consomment toutes les banques réunies en France, en Europe ou dans le monde, on a daily basis. Vraiment, c'est juste complètement dingue. Ensuite, tous les nouveaux réseaux dont je parlais tout à l'heure, Polkadot, Friton, Tezos et autres, fonctionnent sur un fonctionnement qui n'est pas le proof of work de Bitcoin, mais le proof of stake. Le proof of stake, c'est un peu les versions 2.0 des blockchains. Imaginez un peu la 2G, la 3G, la 4G versus la DSL d'avant. Et ben effectivement, ces réseaux-là consomment
évidemment beaucoup moins. Donc c'était une vraie question pour tout le monde dans le milieu depuis des années. Les chercheurs ont bossé et maintenant sur le proof of stake, on consomme évidemment beaucoup moins d'énergie. Donc c'est plus des sujets. L'argument de la consommation énergétique, si vous cherchez un peu en ligne, il est répondu par des gens bien plus compétents que moi là-dessus et des ingénieurs qui calculent vraiment les consommations. Mais c'est honnêtement plus du tout un sujet. Et c'était évidemment le sujet un peu facile que généralement les anti-Bitcoin ou anti-crypto, que je peux évidemment comprendre, arborait en premier lieu en disant « Ah, mais l'énergie !» Oui, mais l'énergie, mais effectivement, si on regarde ce que remplace Bitcoin à 100%, ça consomme à minima 10% d'énergie de ce que fait le système financier mondial actuel. Pour la régulation, c'est encore un autre sujet. Votre question était de savoir comment ça allait évoluer. Ça évolue plutôt bien aux États-Unis. Jay Clayton, le patron de la SEC, alors qui est parti il y a un mois, mais qui était le patron de la SEC pendant des années, était plutôt pro-Bitcoin. La nouvelle patronne de la SEC maintenant et les gens de la SEC sont plutôt aussi positifs là-dessus. En France, on a fait la loi Pacte avec Bruno Le Maire il y a 3 ans maintenant. Dès lors, on commence à réguler les taxes et taxer le Bitcoin. Évidemment, c'est une bonne chose. Il faut que tout actif soit régulé. Alors, le mot spéculatif, il est toujours très péjoratif. Mais je vous rappelle encore une fois que toutes les nouvelles bulles technologiques ou marchés ont été spéculatifs. Si vous regardez la courbe de l'or il y a 150 ans, elle est exactement la même que Bitcoin. Elle fait comme ça avant de se stabiliser depuis quelques dizaines d'années. Mais tous les nouveaux actifs sont spéculatifs. C'est pas nouveau. Ça va continuer à être le cas et c'est pas forcément gênant. Il faut juste effectivement faire attention et pas perdre d'argent quand on sait pas ce qu'on fait sur le sujet. D'où l'éternel conseil de lire et de s'informer avant d'acheter des crypto-monnaies massivement et faire un peu n'importe quoi. Mais encore une fois, des bulles et des spéculations, on en a vu plein. Tesla fait x10 sur les derniers 12 mois. Je ne sais pas si c'est aussi complètement logique. Voilà. C'est juste qu'à un moment donné, l'euro et le dollar se dévaluent parce qu'on en imprime plein aussi à cause du Covid. Et donc, les actifs de la vie réelle, bah, eux, ils montent en valeur. Donc, Amazon, Tesla, Facebook et tous les autres doublent, triplent parce que le dollar diminue aussi. C'est aussi ce qui explique ces inflations folles. Je comprends bien les évolutions sont nécessaires. Quand on parle de spéculation, il faut bien voir aussi qu'il y a des spéculations qui détruisent des économies. On a connu une en 2008 autour de l'immobilier. On a connu d'autres dans le passé. Et après, ça crée des déchaînements sociaux qui peuvent être très graves. On continue à les vivre aujourd'hui avec l'évolution des populismes d'extrême droite. Donc, c'est très important de faire attention à partir du moment où on a un produit qui est initialement entre les mains, effectivement, d'investisseurs spécialisés. Si on veut essayer d'en faire quelque chose qui est un usage plus large, en particulier de petits porteurs, de particuliers qui peuvent mettre en danger leur économie. Et je repose la question qui est celle de la protection des Bitcoin wallets qui peuvent être perdus aujourd'hui si on perd tel ou tel morceau de code. Quelles sont les évolutions à ce niveau-là? Et est-ce qu'il y a une réflexion de réglementation ou aux États-Unis ou en Europe pour que, à minima, la valeur qui est protégée dans les Bitcoins soit vraiment préservée de la même façon qu'elle est préservée aujourd'hui dans des environnements qui sont très réglementés, qui sont des environnements bancaires, ou même lorsque on perd, les banques font des bêtises et il y a une partie des baux qui sont perdus, ces dépôts sont garantis pour les particuliers. Donc la question, c'est quelle est l'évolution de la réglementation pour protéger les petits particuliers si on veut effectivement essayer de démocratiser ce type de système? Bien sûr. Je vous répondais là sur 2008. Vous parlez de la crise financière de 2008. Bitcoin a été créé exactement en 2008 et il est lancé par des gens qu'on appelle des cyberpunks ou des cypherpunks en anglais, qui sont des gens qui sont anti-Wall Street. Les problèmes qu'on a depuis des décennies sur la finance mondiale et les crises économiques qu'elles vont ensuite propager, ça se réduit à quelques milliers de personnes qui sont la finance d'aujourd'hui et qui sont Wall Street, et que Bitcoin et les cypherpunks qui développent les protocoles dont je parle depuis tout à l'heure sont complètement opposés en termes d'image et de principe. Bitcoin a été créé en réponse à ce système. Si vous lisez le white paper de Bitcoin qui fait juste 9 pages, je vous y encourage si ce n'est pas déjà fait, Peer-to-peer cash electronic system, on est vraiment en train d'expliquer comment, depuis maintenant des décennies, on a donné de l'argent et du pouvoir à des gens qui font des bêtises, parce que l'humain, par définition, quand il a du pouvoir, il fait des bêtises. Ça, c'est juste un fait, malheureusement, plutôt génétique. Il y a toujours des bons et des mauvais. Et quand les mauvais sont au pouvoir, ils font des bêtises. Sur la blockchain et les cryptoactifs, encore une fois, tout ça n'est pas possible. Je vous le répète, mais tous ces protocoles sont transparents, open source, mathématiques, vérifiables et immuables. Donc, on ne peut pas tricher. Donc, oui, effectivement, il y aura des sujets. Vous parlez de la perte de clés. C'est évidemment un sujet. Ça arrive de moins en moins, pour être transparent. Les pertes de clés, c'était plutôt 2011, 12, 13, 14. Les 5 dernières années, plus personne n'a perdu sa clé, globalement. Et puis, ce sera de moins en moins le cas. Moi, maintenant, je préfère être responsable de ma clé et de mon argent plutôt que de payer des fees complètement colossaux à HSBC ou une banque qui a des centaines de bureaux, qui sont jamais disponibles, qui ne répondent pas, qui me prennent des agios. Enfin, je passe juste le nombre de soucis du système bancaire actuel, mais c'est évident que ce système ne va pas forcément mourir, mais va devoir évoluer vers quelque chose de plus transparent. Et je ne pense pas que les banques soient le grand ami du peuple depuis maintenant 50 ans. C'est aussi pour une raison, je pense, qui est évidente à tous. Voilà. D'ailleurs, je profite de cette ouverture sur ce que pourrait être demain la finance. Peut-être que les banques ne sont pas le meilleur ami du peuple. Peut-être que Bitcoin pourrait l'être.
En tout cas, au regard de ce que vous venez de nous décrire, à votre avis, si on se projette en 2025, 2026, comment est-ce que vous décririez le paysage financier mondial ? Quelle est votre vision de la finance à l'horizon de 5 ans ? Les prédictions, c'est toujours très compliqué. Honnêtement, les prédictions, c'est toujours un exercice compliqué. Sur le sujet Bitcoin et les cryptos, évidemment, aujourd'hui, le marché fait un peu plus d'un trilliard. Il va évidemment dépasser les 5 à 10 trilliards dans les 5 ans pour moi, et c'est un pari évident, sinon je ne bosserai pas sur ce métier depuis des années. Ça, c'est quelque chose d'évident. La valeur de Bitcoin, à mon sens, va continuer de monter avec des hauts et des bas, comme elle le fait constamment. J'ai écrit une lettre à mes investisseurs il y a maintenant 8 mois, en début d'année 2000, milieu d'année 2020, où j'expliquais les 12 prochains mois. Je suis assez convaincu que ce qui se passe en ce moment était logique et prévisible. On parlait d'une grosse hausse à Q4, on parlait d'arrivée comme PayPal, Apple ou Tesla dans le monde du Bitcoin. On parlait du Covid et du stimulus chèque qui faisait des problèmes sur la... Voilà. Tout ça était déjà assez facile à voir. Je pense qu'on va aller dans les 12 à 18 mois sur des prédictions de Bitcoin à au moins x5 à aujourd'hui. Un Bitcoin entre 200 à 250 000 dollars, c'est complètement faisable d'ici 8 à 10 mois, à mon sens. Je peux évidemment me tromper, on en reparlera. Mais il s'avère que sur ce sujet, depuis quelques années, je ne me suis pas beaucoup trompé, donc tant mieux. Après, c'est toujours facile et je comprends bien l'idée de gens réfractaires en parlant de régulation, de sécurité, d'environnement. Oui, évidemment. Mais il y avait toute une ribambée de gens qui, en 2000, disaient qu'Internet ne marchera jamais. Les couvertures à l'époque hein, du Monde et du Figaro en 95, c'est « Internet, n'y allez pas, c'est dangereux ». Vraiment, pareil pour le New York Times, je peux vous la retrouver, elles sont sur Google. Donc, il y a toujours une caste de gens brillants, sans aucun doute, qui vont dire « YouTube ne marchera jamais, la vidéo sur Internet, ça ne marchera jamais ». Et il s'avère que 20 ans plus tard, les 5 plus grosses market cap de l'économie américaine, même mondiale, sont des boîtes tech et que Internet est présent dans nos vies tous les jours. D'ailleurs, on se parle aujourd'hui grâce à Internet. Il y a 20 ans, c'était pas si évident. Aujourd'hui, ça l'est. Ces systèmes sont en train d'avancer et ces systèmes, notamment Bitcoin, fonctionnent exactement comme WhatsApp ou Facebook en termes de croissance. C'est les effets de réseau. C'est les effets de réseau, des network effects. Plus il y a d'utilisateurs dans le réseau, plus le réseau prend de la valeur. Facebook, si je suis tout seul dessus, ça n'a pas d'intérêt. Si on est 5 milliards ou 3 milliards, c'est un peu plus utile dans la mesure où effectivement la privacy est respectée. Ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, le service est utile. Zoom, si je suis seul à l'avoir, ça ne marche pas. Là, on est effectivement Guy, Pierre, Stéphane, Nawal, tout le monde ensemble, ça marche. C'est ça l'idée. Bitcoin, c'est pareil. Aujourd'hui, on a passé un point d'inflexion. On ne peut pas revenir en arrière. Il y a des dizaines de millions de gens qui travaillent, qui ont des wallets, des milliers d'ingénieurs qui sont parmi les plus brillants au monde, qui développent et codent ces protocoles et qui les font évoluer. Donc, c'est une évidence qu'on verra effectivement de la 1G, 2G, 3G, 4G en termes de croissance sur les réseaux décentralisés. Et tout ça va arriver dans les prochains mois et années. Donc, c'est assez excitant. Je vous encourage à regarder d'un plus près le sujet. Voilà.